Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Grimoire et Tentacules, une nouvelle vidéo avec une fois de plus une nouvelle tête. Alors vous l'aurez compris tout de suite, cette fois-ci la nouvelle tête ce n'est pas JBX, maintenant il est définitivement enrôlé dans les rangs malgré lui. Non, cette fois-ci... Piégé, le mot le plus exact, il faut le reconnaître. Cette fois-ci, c'est Jérémy IE, comme les plus habitués d'entre vous le savent, que nous accueillons. Jérémy, vous avez déjà vu sûrement sur Ici Japon Corp, une autre chaîne YouTube que je vous conseille si vous aimez ce pays bien loin de nous. Et une nous avons profité de cette occasion du 11 novembre pour pouvoir enregistrer avec toi, puisqu'il y a un petit défaut, c'est que tu es un peu loin. Oh, 14 000 km, ça va. Voilà, légèrement. Donc un petit décalage horaire qui nous a compliqué un peu la vie. Mais bon, on a trouvé le bon moment, donc nous voici. Et on va se trouver pour une partie donc, qu'a souhaité Jérémy sur le thème, les zombies. Hein, puisque visiblement, tu es en pleine frénésie de ce genre d'ambiance. Ouais, tout à fait. Eh bien écoutez, je pense que sans plus attendre, on va partir dans une charmante, adorable petite ville. En France. Nous retrouvons René. Alors René n'est pas n'importe qui, René c'est un militaire, plus précisément un médecin de l'armée, qui enfin, après pas mal de temps de service, trouve les joies de la permission. Joie cependant un peu particulière, René, cette année, puisque malheureusement, la situation sanitaire mondiale est ce qu'elle est. Et c'est l'époque du premier confinement. Alors forcément, quand tu as enfin mis pied à terre, l'ambiance était un peu particulière. Pas grand monde, loin de là même. Quelques voitures vaguement, toi avec ton laissez-passer qui te permet quand même de montrer que oui, c'est normal que tu sois en train de te balader, c'est parce que tu viens de descendre à terre. Et le trajet jusqu'à chez toi. Alors un peu de train, pas grand-chose. Il y a quand même un service minimum, donc tu as pu prendre un trajet pour t'amener jusqu'à chez toi. Et tout a commencé comme ça, très calmement finalement. Lorsqu'on te retrouve, tu es sorti de la gare, vraiment quasiment pas un chat, peut-être 2-3 personnes que tu vois, c'est impressionnant, tu n'avais jamais vu la ville comme ça. Et tu n'as plus qu'à rentrer jusqu'à chez toi. C'est faisable à pied si tu le souhaites. Te voilà bien sapé, hein, les sacs partout, t'es quand même assez chargé après tout ce temps. Et eh bien écoute, tu as un peu de temps à tuer si tu veux. Est-ce que tu veux rentrer? Est-ce que tu veux faire un petit tour? Alors certes, théoriquement avec ton pass, tu es censé rentrer chez toi tout de suite, mais à toi de voir. Non, je suis pressé de revoir ma femme et ma fille, donc... aussitôt. Et puis en plus, j'ai tous les sacs sur moi et tout. Donc, En plus, oui, c'est pas le plus confortable. Ouais. Bon allez, ouais. tu cherches pas, en route toute. Sur le chemin, cependant, vide évidemment, tu finis par croiser un véhicule de police. C'est très simple, hein, on s'arrête à proximité de toi. Bonjour monsieur, je peux voir votre passe s'il vous plaît? Bah je le sors, je lui montre. Ah voilà, c'est ton autorisation de sortie, hein. Moi il regarde vite fait. Je galère rapidement. Un peu à le chercher parce qu'il fallait que j'ai posé. Oui, bah oui, forcément, c'est pas le plus pratique, c'est vrai. Bon, il la regarde hein, rapidement, il jette à peine un oeil, oui bon. Bah, très bien monsieur. C'était bonne journée à vous. Et ils reprennent bonne journée à vous aussi. Tu continues ta route. Oh là là, c'est... ça fait un peu bizarre quand même. Personne, quoi, pas un chat. Mais enfin, petit soulagement, tu vois au bout de la rue ta maison. Qui fait plaisir. Quelques pas t'en séparent. Et enfin. Tu es à l'entrée, devant chez toi. Que fais-tu? Moi, je décide de faire une petite surprise, même si l'ambiance est un peu étrange. Je sonne, tu sais. Parce que je l'ai pas prévenu que je revenais en permission. Et oui, donc c'est vrai que ça peut être le petit moment ouais, sympathique. Je suis un petit taquin, tu vois. Et donc... Ah, c'est vrai que t'as toujours été un peu comme ça, de toute façon. Hein, c'est oui. Le genre, tu sais que ta femme, ça l'amuse un peu, elle aime bien le côté surprise. Donc. Mais là, bon... Alors peut-être pas de chance, peut-être que t'arrives au moment où, je sais pas, elle est sous la douche ou n'importe quoi, mais en tout cas, ça répond pas. Je regarde si la voiture... Ah, elle est pas là, la voiture. Elle est pas là, merde. Donc t'arrives peut-être pile au moment où elle est sortie faire peut-être des courses ou autre chose, tu sais pas trop.
Bon, bah, du coup, j'ouvre la porte et je rentre chez moi, du coup. Bon, la surprise se fera dans l'autre sens, finalement. Vas-y, tu ouvres, tu rentres chez toi. Bon, mine de rien, ça fait quand même plaisir. Ça fait quand même plaisir, puisque, bah, on retrouve un endroit familier. Tu peux enfin poser ton bazar. Oh, ça fait du bien. Te voici chez toi, posé, heureux, parce que t'es quand même en permission pendant quelques jours, ça fait plutôt agréable. Que fais-tu de beau en attendant éventuellement ton épouse ? Ah bah, je vais me chercher une bonne bière dans le frigo, en espérant qu'il y en ait une, un et bon puis chou. Quelque chose à grignoter. Allez, clink ! Ah, parfait ! Oh là là, il en reste. Une bière, du saucisson. Ça t'avait manqué, le saucisson ? Ah oui. Tout ce qu'il faut. Heureux comme un pape, la bière, le saucisson, posé en attendant qu'on retrouve ta famille. Que demande le. J'allume la télé en attendant, je sais pas. Parfait. Trop, voilà, Oh là, toi, t'es juste ultra bien installé. Oui. Un peu plus loin, nous retrouvons une autre personne. Jason. Jason, pour toi, la journée, elle est décidément comme les autres, c'est-à-dire en ce moment, particulièrement chiante. Oh putain, oui. Disons-le, il n'y a pas foule dehors, t'as pas trop de raison de sortir, ça fait un peu long. Sur ta rue, t'as vu passer, tu crois que c'est un des voisins, il avait rentré chez lui, il avait des sacs jusque comme ça, tu dis putain, mais il a dû en baver pour rentrer celui-là. Mais bon, c'est à peu près le plus passionnant de ta journée. Ma foi, limite, ça vaudrait le coup d'en parler... au voisin un peu bizarre, là. Parce qu'au moins, il a toujours des choses à dire, mais... Pff, t'es toujours incertain sur le fait de le faire ou pas, parce que... Toujours un peu... Enfin bon, tu sais bien, quoi. Oui, ben oui. Et ce voisin, justement... bien, c'est Pierre. Pierre, comment te dire que... Avec tout ce qui se passe en ce moment, tu as un tout petit peu perdu le sens du temps. C'est compliqué ces derniers temps, t'as l'impression qu'une journée en fait c'était une semaine, et qu'une semaine parfois c'était 15 secondes, autant dire que c'est un peu compliqué, et que tu trouves que ça fait vraiment long. Et effectivement, l'ennui pointe. En plus, en ce moment, Jason, tu sais pas si c'est depuis la fois que tu lui as parlé de tous ces trucs que mettaient les industriels dans nos produits pour nous intoxiquer, tout ça, mais il te parle de moins en moins, c'est un peu bizarre. C'est pas trop. J'essaye de l'informer, moi. Enfin, bon. Revenons à René. René, le temps passe. Le temps passe même pas mal. J'ai pas de nouvelles. Et quoi, la télé? Écoute, la télé, oh bah, y a de la variété. Oh, t'es tombé sur un vieux Derrick à un moment. T'es resté 10 minutes devant, ça te faisait rire. Bref, des émissions un peu dans tous les sens. Très, non, très... 17 épisodes de Derrick. Ah ouais, c'est un peu ça. Tu sens qu'en plus, comme en ce moment, avec le confinement, c'est difficile d'enregistrer. Bah, tu sens qu'ils te ressortent toutes les vieilleries. Hein. Tu trouves pas une émission récente en disant t'as l'impression de vous devoir passer tous les gendarmes font quelque chose sur les chaînes. Tu te dis, ah oui, ils sont vraiment en fin de stock, là. C'est pas trop ça, là. Les heures passent. Suffisamment pour qu'il commence à faire sombre. La nuit tombe, et toujours pas de nouvelles en ce qui te concerne ton épouse. Bon, je commence à me dire, ça fait un peu long, là. Ils ont peut-être été chez les parents, ou je sais pas. Bah, c'est vrai que comme t'avais pas prévenu, ça se trouve sur un pas de chance, quoi. Et peut-être qu'ils sont peut-être occupés. Ça serait pas de beau, mais bon. Du coup, je me dis que je vais appeler mes beaux-parents. Quoi. Ben, mes parents, oui, effectivement, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Non, je vais essayer de l'appeler directement, pardon, excusez-moi. Et oui, remarque, ça marche aussi. Bon, ben, on pose le numéro, ouais. C'est parti. Ah non, ça répond pas. Bon, bah, du coup, là, j'appelle mes beaux-parents. Tu tentes. Et pas de réponse non plus. Mes parents. On pourrait dire... ouais, en fait, c'est bizarre. C'est peut-être le téléphone qui déconne parce que t'as rien, ça sonne vide.
Ok, je commence à trouver ça un peu étrange. Tout ça. Ouais, je regarde dehors. Bref, jette un œil dehors, il n'y a pas un chat. Ouais. Alors si en plus il n'y a pas le téléphone qui déconne, alors qu'en plus il n'y a pas un chat, autant dire que ça va être charmant comme journée. Mais... non, personne. Y a pas les infos à la télé, quelque chose ? Bref. Je commence à chercher soit autre chose que du... la rediffusion, quoi. Bref, non. Non, mais même les chaînes d'infos en continu, que dalle. T'as l'impression de voir la même intermission qu'on a tourné en boucle. Tu dis, bon. Qu'est-ce que c'est que ce. C'est un peu long. Ok. Encore une fois, j'essaie d'appeler. Oui, il n'y a vraiment aucun signal en fait. Ah, oui, vraiment, ça. Non, ça sonne pas avec le portable. T'as essayé avec le fixe, ça sonne dans le vide. Tu dis, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. J'essaie d'aller sur internet. Ah, internet ? Ah non, 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 non. T'étais en connexion en ligne et t'as cru en voyant Google, mais en fait, non. Bon, bah du coup, je me décide d'aller voir les voisins, parce que peut-être qu'ils ont des infos. Bah, ouais, là, c'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Tu te dis, s'il y a un souci dans le quartier, je sais pas. Ouais. Ça se tient. Écoute, tu sors, tu braves le confinement, pourrait-on dire, pendant 2 mètres à peu près. Et tu frappes. Ouais. Bon. Premier voisin, visiblement, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. En tout cas, le soir a commencé à tomber, il n'y a pas de lumière, et ça répond pas. À vrai dire, il y a très peu de lumière dans la rue. T'en vois une un peu plus loin, au bout de la rue, mais c'est peut-être une des rares maisons éclairées. Ok. Il y a personne, il n'y a pas de voiture Qui circule, non. Parfois, il y a des voitures qui sont garées, hein, mais... Ok, ça commence à m'inquiéter un petit peu, ça. Surtout que j'avais envie de les voir, quoi. Donc, je me suis dit, je vais aller là où il y a la lumière, simplement. Écoute, ouais, tu dis, bon, bah, il y a peut-être un voisin, moi, là. Pierre, Jason, vous êtes tranquillement en train de passer le temps. Quand, chez toi, Jason, ça sonne. Et donc, naturellement, Pierre, tu entends que ça sonne chez ton voisin. Ok, mais écoute, je vais... Je regarde quand même par le Judas, si jamais. Hein. Je me mets au Judas. C'est pareil, toi, t'es là. Avec mon calepin, non, pas du tout. C'est le voisin que t'as vu passer un peu plus tôt, là, avec tous ces sacs, là, voilà. Qui devait rentrer. Ouais. C'est ça. J'ouvre, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir, voisin. Vous appelez comment? Tu vois le voisin qui te regarde. Il a l'air choqué. Bon. Il a l'air choqué, mais il s'attendait pas. Quoi. En fait, ça fait tellement longtemps qu'il voit personne qu'il se merde. C'est ça. Donc, René, on vient de t'ouvrir. Bon, je vais prendre... René a l'air très concentré. René se demande qui que c'est que ce monsieur. En fait, tu vois, c'est vrai que moi j'ai un pulvérisateur, tu vois, j'ouvre, pssst, bonjour, vous êtes mon voisin. C'est ça, comme tu te crains les germes, t'as juste pisté partout, donc forcément René est en train de se demander mais qu'est-ce qui se passe. C'est ça, t'as le masque. Ouais, c'est un peu bizarre. Il s'est passé quelque chose dans le quartier ou, je sais pas, y a personne, ma femme, personne. Tout le monde est censé être chez soi, mais personne. Vous habitez quel numéro 2-3 numéros après, je crois, c'est ça? Le numéro 7. Et le complémentaire, c'est le 9. Ok. En tout cas, là, tu dis, bon, il y a l'humour, le voisin. Ok. D'ailleurs, Pierre, chez lui, tu le vois, personne ne le voit, mais Pierre, chez lui, il fait. Parce qu'il est mort, évidemment. Si on a entendu un truc toquer à la porte, parce qu'il s'est pris la porte en toquant. C'est exactement okay. Ça. D'ailleurs, c'est affreusement calme, évidemment, depuis un moment. Vous êtes arrivé de... Il n'y a pas si longtemps, là, c'est ça hein. Je suis revenu, oui, j'étais en mission pendant 6 mois. Ah, mais c'est ça, c'est ça.
Très bien, ben oui, écoutez, c'est très très calme. Et vous n'avez pas de nouvelles de votre famille, c'est ça? Oui, la voiture n'est pas présente. Il n'y a personne dans le quartier. Ah. Écoutez, on a des problèmes de réseau en plus. Ah oui, oui. Donc j'ai effectivement, au niveau téléphonique, vous avez vu aussi ça. Ouais, ok. Bon. Ouais. Ça, c'est assez étrange. Enfin, vous êtes chez quel opérateur? Violet. Ah voilà. Bah, tu vois, tu sens le mec, tu sens que c'est pas lui qui paye la facture de l'opérateur parce qu'il voit rien sur son téléphone. Faire. Ouais, ah, c'est collé, là. Ouais, moi je suis chez Bouygues FR, pareil. Y a pas grand chose. La même. Bah écoutez, oui. Alors bon, non, j'ai un voisin qui essaye d'être très très au courant de tout ce qui se passe. Il est juste en face, il doit nous écouter d'ailleurs. Ah bon, d'accord. On peut lui poser des questions. Je bascule comme ça sur le côté de ma porte. Ça s'entend évidemment. Vous entendez au moins, tu dis de l'autre côté. Ouais. Très bien. Donc, parce qu'il a peut-être des informations. Effectivement, je connais moi-même pas trop bien le quartier, mais là, bon, effectivement, avec le confinement, c'est compliqué. On voit pas grand-chose. Ouais. Ça m'étonne. Ah, peut-être que les gens sont partis se confiner ailleurs, peut-être. C'est peut-être ça. Mais oui, certains sont partis, effectivement. Voilà. Bon, vivre dans un appartement sans terrasse, c'est toujours un peu compliqué, hein, c'est sûr. Ouais. Mais bon. Très bien, moi je vais aller voir ce fameux. C'est le numéro. Ouais, ben là, voilà. Le 13. C'est en face. Le 13. C'est ça. Bon. Bah, du coup, je vais là-bas. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bah écoutez, avec plaisir. Pierre, tu le sais, toi. Visiblement, il y a ce voisin, en plus, visiblement dans la marine, qui vient frapper chez toi. Ah, ça se voit même avec des vêtements civils. Ah, le mec, il est dans la marine, quoi. Ah non, mais ça s'est vu surtout quand tu te baladais avec le sac. Ouais, c'est ça. Ah. C'est le gouvernement. Bon, il faut dire que t'as... Ne le trouvons pas. T'as... J'ouvre la porte. Bonjour. Psst, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous pouvez allumer la lumière, s'il vous plaît? C'est vrai que de base, c'était un point impressionnant dans le noir, le type avec le masque qui te regarde fixement. C'était pas forcément le plus rassurant du monde. L'accueil est moyen. Y a personne dans ce quartier? Tout le monde est parti? Vous savez, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Parce que tout le monde devrait être là, vu qu'on est confiné, donc ça me paraît bizarre que personne soit là. Bah, je vous avoue, je sais pas très bien. Effectivement, on est censé être confiné, mais. Je vois personne, donc vous avez le voisin d'à côté qui est là, Jason. Oui, non, mais je viens de lui parler en fait. J'en viens. Ah, je savais pas. Donc, okay. Mais j'en sais pas plus que vous, hein. Je vous avoue que les journées sont un peu monotones là ces derniers temps. Je sais même plus si on est lundi ou mardi, donc. Non, c'est parce qu'il y a même plus, il y a des problèmes de téléphone aussi, des problèmes d'internet. Ça fait longtemps que ça dure? Ça c'est normal, monsieur. C'est parce que le gouvernement ne veut pas qu'on communique entre nous. Ah, d'accord. Je vois. très bien. Bon. Écoutez, je vais vous laisser. Bonne soirée. Et bien tu pars, t'entends le mec qui verrouille 15 machins loqués et trucs derrière toi, tu te dis oh putain. Bon, du coup je rentre chez moi, je me dis bon bah tant pis, je vais dormir. Tu me dis que ça doit sûrement pas être grand chose et je vais me coucher tout simplement. Pas de soucis, tu rentres chez toi vraiment, voilà. Et t'as juste un petit quelque chose, fais-moi un petit jet d'observation. Oh, premier jet. Pression, attends, la pression. Non. Ah, tu es tranquille en train de marcher, voilà, tu rentres. Descends. Et forcément, tu n'es pas forcément complètement concentré sur ce que tu fais. T'as le regard qui se balade. Et je peux continuer à expliquer plein de petits détails, de petits papillons qui passent pendant que tu es en train de taper. Et aussi, sinon, ce magnifique petit air printanier qui passe alors qu'on n'est pas du tout au printemps. C'est le hasard des choses.
Tu es donc en train de songer à ta, ton épouse, ton bateau, tant de choses. Et finalement... L'esprit se balade et tu ne tu fais pas attention. Non, je vois des chats qui passent dans le quartier, c'est joli. Et là, forcément, réflexe. J'ai pas vu d'animaux. Tu les as regardés. Et te voilà chez toi. Tu rentres. Écoute, bon, pour l'instant, effectivement, tu vas passer la soirée comme tu peux et puis... ce sera peut-être plus simple demain. Me faire des pâtes et puis hop. Petit repas pépère. De toute façon, t'as déjà eu ton saucisson et ta bière. T'es heureux. Oui. Donc voilà, le plat de pâtes pour faire du vin. J'apprends une bière avant de dormir quand même. Et puis, nous voilà le lendemain. Le lendemain, à ton réveil, pas grand-chose non plus, si ce n'est une impression bizarre. De façon générale chez toi, tu te dis, putain, bon, hier t'es arrivé tard donc t'avais pas trop fait attention, mais dis donc, c'est pas très très clean, hein. T'as un peu de la poussière qui traîne un peu partout, et tu te dis, ouf, faudra faire un petit peu le ménage quand même. Surtout que quand on connaît ma femme, le ménage, tout ça, généralement c'est fait. Ah bah c'est à la militaire, hein, après tout, elle aussi, hein, donc voilà. Ouais. Hein. Et vraiment l'instant de... Bah tiens, c'est bizarre. C'est... Ouais. Du coup, je regarde si s'il n'y aurait pas laissé un mot. Bah, du coup, j'y pense que maintenant. Je me sens un peu idiot, mais s'il n'y a pas laissé un mot sur le frigo, une connerie comme ça. Ah, tu te dis, ouais, on sait jamais. Ouais, tu fouilles un petit peu. Tu vas chercher un peu dans tous les coins. Hélas... tu vois rien, il y a des petits mots, tu vois, mais c'est qui ont rien à voir avec toi, hein. Ça va être penser à aller chercher ça, penser à faire tel truc, des notes qui s'étaient mises pour elle, quoi. Mais je me dis tiens, je vais quand même checker la, enfin je vais vérifier la boîte aux lettres. Pourquoi pas, tu vas jeter un oeil, donc toi tu sors et tu tombes en route sur eh bien Pierre et Jason, le duo qui visiblement revient des courses. Avec un petit souci cependant, tu le vois vite à leur regard qui est un peu surpris, c'est que Pierre et Jason, en y allant, vous êtes retrouvés face à des magasins complètement vides, fermés. Rien ouvert. Y a pas un chat. Je te le dis, c'est pas normal tout ça. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez bien dormi? Ouais, vous avez des nouvelles de votre famille? C'est... Non, c'est toujours pareil, toujours pas de réseau. J'allais voir le courrier, justement, j'avais pas pensé à garder hier. Bon. Je suis pas sûr que le facteur soit passé depuis quelques jours, hein, ou semaines. Tu regardes. Ah bon? Et effectivement, y a pas grand-chose. Pendant que vous discutez, petit jet de perception pour les trois. Bien. Ah. Bon. Pierre, Jason, vous êtes de ces gens qui sont conscients de leur environnement. Qui regardent parler Judas. C'est ça. On ne serait pas surpris que Pierre soit particulièrement efficace pour ça. Et même René, là, s'en rend assez vite compte. C'est plus une sensation qu'autre chose. Mais ce qui est étrange, c'est que finalement, vous l'avez peut-être tous. Plus ou moins persuadé quand vous avez discuté hier soir. L'herbe était plus ou moins bien tondue dans les jardins. Hein. Là, c'est bien foisonnant. Ça fait une drôle d'impression. Excusez-moi, je peux vous poser une question qui va vous paraître bête. Vas-y. Jason, accorde-moi un peu de crédit. Mm-hmm. On est quel jour ? Essayer. On est jeudi. Parce que... Mais hier, on était bien... Enfin, quand on s'est parlé avec vous... Hier soir, c'est ça. Oui, enfin, hier soir, ouais. Moi, j'ai parlé avec la suite. Je suis rentré hier, donc oui. Je suis dans l'après-midi, j'ai descendu ma poubelle et l'herbe était pas comme ça. Ah oui, mais c'est ça, c'est bizarre ça. Oui. Il y a pas que moi. Non, c'est vrai, j'avais pas fait gaffe. Mais en fait, il y avait un truc qui n'allait pas là. C'est marrant que vous me dites ça. Hier, je me suis couché chez moi tranquillement et. Quand je me suis réveillé, j'ai l'impression qu'il y avait de la poussière partout. C'était très bizarre. Bon, c'est peut-être moi, hein, mais... Bon, c'est sûrement moi. Hein, voilà.
Ezekiel, est-ce oui. que moi, par exemple, les dernières personnes, si j'essaye de creuser ma mémoire, par exemple sa femme, est-ce que je l'ai vue il y a un moment ou je l'ai pas vue depuis que je suis rentré? Ouais, si, tu penses que c'est un peu brouillon. Tu crois que t'as vu quelqu'un, mais est-ce que c'était sa femme? C'est très flou dans ta tête, très, très barbouillé. Oui, j'arrive pas à savoir si c'était la semaine dernière ou plus tard, ou plus tôt. Ça, c'est fou, ça. Mais si les magasins sont... Oui, bah, je sais pas si... Les magasins sont fermés, hein, y a personne. Donc là, c'est dingue, c'est... Ouais. Mais ils avaient dit qu'il y avait un minimum, en plus, normalement... Ouais, Service minimal... Ça fait combien de temps que vous avez pas vu quelqu'un passer dans la rue Je sais pas. Parce que hier, c'est difficile à dire, ouais. Hier, les flics m'ont arrêté dans la rue vite fait pour regarder mon attestation, mais. Ah, vous les avez croisés où? Un petit peu plus haut Au coin de la rue, tout simplement. Enfin, je crois. Okay. Oui, c'est ça, au coin de la rue. On pourrait aller jusqu'au commissariat, mais bon, on va se faire engueuler, quoi. Et on va se prendre une amende. Enfin, j'ai peur. Il faut une attestation de sortie. Je dois vous avouer que moi, j'ai pas ma femme et mon fils, ma fille, pardon. Je dois vous avouer que là, moi, ça m'inquiète, donc je pense que je vais aller les voir parce que. Amende ou pas. Le croisement Market est fermé, on peut pas se ravitailler, quoi. Donc il faut au moins qu'il nous indique où est-ce qu'on peut aller, quoi. C'est ça. Effectivement, ça peut être une solution, surtout dans le cadre René, c'est compréhensible. Vous pensez que, a priori. Puis vous êtes militaire, vous pouvez essayer de faire un peu le. Enfin, c'est si militaire. Vous pouvez, hein. Voilà. Non, je veux pas avoir de passe-droit ou quoi, mais c'est pour pas qu'on se tape une amende, quoi, vous comprenez. On est dans le même bain. Hein. Bien, écoutez, vous prenez la route vers le commissariat, hein, vous connaissez à peu près le trajet, hein, c'est pas le plus complexe. Et force est de constater que décidément il n'y a pas un chat. Vraiment pas un chat. C'est un vide. Mais il y en avait hier pourtant. Et oui, il y en avait pourtant. Et là. Et un peu plus tard, vous êtes enfin face au commissariat. Qui a cependant le mérite d'avoir l'air ouvert. Oui, voilà. Ah. Enfin des réponses. On voit l'activité, il y a des gens. Alors par contre, vous ne voyez pas d'activité. Pas un chat à l'accueil, mais c'est ouvert. Ouais, c'est pas trop ma définition de. Pas un chat. Très bien. Disons que les grilles ne sont pas fermées. Ok. Oui, c'est ça. Allons-y, hein. Voilà, on va vers l'accueil. Est-ce qu'il y a une sonnette pour faire ding 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 ding? Il y a une sonnette. Parfait. Vous voyez Jason qui mitraille immédiatement la sonnette. Ding 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 ding. Ah oui. C'est. Ouais. Y'a quelqu'un? Eh oh! Eh ben ça. Y'a un bel écho ici. Pas au portillon. Y a pas de lumière, enfin déjà tout est éteint. Non, y a des lumières qui traînent encore, même l'ordinateur, non, évidemment c'est éteint, mais il y a encore de la lumière parfois dans certaines pièces. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Hein. Très bien. On va aller à l'étage peut-être. Enfin, j'imagine. J'avance comme ça, mais. Mais attendez. C'est quand même un commissariat, c'est un bâtiment de. Ah oui, c'est pour ça, mais. Oui, mais justement, c'est pas normal que ce soit ouvert en fait, comme ça, il devrait y avoir un gars pour surveiller, c'est pas normal. Toi, voilà. Peut-être quelqu'un qui va venir. Vous voulez y aller, vous avez plus ce droit que nous. Est-ce qu'il y a des ordinateurs qui sont allumés ou Il va commencer pas. Alors écoute, il y a des ordinateurs, la plupart sont éteints. Peut-être qu'en te baladant est-ce dans les différents bureaux, t'en trouveras un allumé. Est-ce qu'on peut effacer un casier judiciaire avec un PC de police? Qu'est-ce que vous faites, Jason? Rien. Rien, il n'y a pas de souci. Bon, bah, du coup, j'essaie déjà dans une pièce où il y a un peu de lumière, où les volets sont ouverts, je sais pas, quelque chose. Écoute, que il fait jour, on est d'accord. Hein. Oui, il fait jour. Oui. Tu te diriges tout simplement vers une des pièces allumées en disant oui, bon, excusez-moi. Et bonne nouvelle, il y a quelqu'un. Ah. Mais la perte, elle est bien, la personne. Là. Elle respire drôlement. Bah, je suis médecin, donc du coup. Comment dire?
Ouais, ça sert à rien. Mais du coup, je... il y a un petit râle quand même, hein, au fond. Ouais. Hein, ouais, ouais. Non, mais je me dis, ouais, quand même, ouais, il y a un problème au poumon. Ah ouais, quelqu'un qui est en train de. Oui, là, c'est pas bon. C'est elle, pas bon. Elle fait un peu d'asthme. Du coup, je me dirige vers cette personne. Ok, bon, tu vas vers elle, tu vois, elle est assise, ouais, hein, à un bureau. Madame, excusez-moi. Ça va? Et oulala, elle est pas bien la dame. Elle est amorphe, elle a les yeux comme ça, des cernes qui vont jusqu'à pas, jusqu'à là où devrait pas. Et elle respire mais d'une façon et clairement elle n'est pas consciente de son environnement. Madame. J'essaie de lui toucher l'épaule. Ça réagit pas.